Au Gabon, on parle politique. Les responsables BDP, le Bloc démocratique populaire, étaient récemment au quartier cocotier Massanza. Objectif, sensibiliser les populations de cette partie de la capitale au sujet de l'importance de la tenue du dialogue politique national inclusif. L'on parle au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, Georges Kambila, Kambila. Ici, au quartier cocotier Messanza, les responsables du Bloc démocratique populaire BDP étaient à pied d'œuvre pour expliquer et sensibiliser les populations sur le dialogue national initié par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La main tendue du chef de l'État pour l'appel au dialogue est une très bonne chose. Les populations qui estiment que la situation du Gabon peut se débloquer que par les Gabonais eux-mêmes doivent aujourd'hui répondre à l'appel du chef de l'État. D'où l'invite du BDP dans Cocotier Manza pour éclairer la population comme nous l'avions fait ailleurs. Après avoir installé les membres de la cellule qui servira de relais avec la base, le secrétaire national du Bloc démocratique populaire revient sur l'importance de cette rencontre. Le BDP, le Bloc populaire démocratique, est un parti de la majorité présidentielle. Et lorsque le président lance une invite au dialogue, il est normal pour nous, des responsables des partis politiques de la majorité, d'aller vers les populations, organiser des entretiens citoyens, expliquer le bien fondé de cette invite au dialogue. Et puis en même temps, il appartient de recueillir des informations pour faire un rapport au chef de l'État. Et c'est par rapport à ce rapport au chef de l'État que le président saura mieux meubler le dialogue qui aura lieu. Une démarche que les populations de cette partie de la capitale trouvent fondamentale pour l'enracinement de notre jeune démocratie. Ça m'intéresse. Et ce qui m'intéressait plus, c'est que le président, ils ont parlé du dialogue social et là, je prends part. Et pour que moi, j'essaye en tant que citoyen de voir exactement de quoi il s'agit, moi, je pourrais analyser. Dans les prochains jours, le BDP organisera des rencontres allant dans le même sens sur toute l'étendue du territoire national.